M'entendez, vous me voyez? J'ai fait le stock d'eau. C'est parti. Normalement, ça relance automatiquement pour vous. Il faut faire. Non, c'est bon. Vous voyez, c'était pas si long que ça. Et c'est reparti. Du coup, soit on va arriver dehors. I'm drinking and I want some gameplay. I like this game. I'm back! Dites à Toker que c'est back et que si c'est pas back chez lui, c'est qu'il faut qu'il fasse F5. Admin block. Je sais plus la suite. Il était déjà mort avant de venir travailler ici. Je crois qu'il faut que je descende ici. Petite note. C'est pas ça. C'est ça. Alors, on retrouve le mot Wallrider partout ici. Murkoff menait une expérience après projet. Voilà. Mais les patients parlent du Wall Rider comme si c'était une présence physique, un esprit ou un démon, quelque chose qu'on a trouvé dans la montagne. Je mettrais bien ça sur le dos de délire de schizo. Mais je viens de voir un truc. Peut-être. Peut-être que c'était juste un problème de caméra ou peut-être que cet hosto me fout la tête en vrac. Les patients savent que le docteur Wernick est mort. L'un d'eux m'a demandé quel genre d'examen. C'est quoi ce prochain Wall Rider? Qu'est-ce que c'est? Y'a pas une pile? Une pile! Des piles! Encore des piles! Ah voilà! On y est au male-female. Donc nous, on va dans l'aile des femmes normalement. Ou pas? Il me semble que si. Apparemment non. Le casque me fait mal aux oreilles. Non, mais nous, on retourne dans le mail, en fait. Ah, putain! Et c'est le dehors. J'ai ouvert la fenêtre, c'était pas une bonne idée, finalement. Salut Fridor Peanut. Alors, je sais pas si mon voisin fait du... est en train de taper un clou ou s'il est en train de faire toc 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 chute. Toc 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 chute à mercredi jour férié à 17h16, j'ai envie de te dire va te faire foutre. C'est un boyau. C'est oui, d'accord. C'est normal que j'ai un écran noir. Non, pas du tout. En fait, il y a des bouts de cadavres partout, dégueulasse. C'est bien sale. Une source de grenadine. Zéro. Putain, c'était quoi ça?
quoi ce bruit? Beaucoup sortir des égouts. C'était quoi ce bruit? Salut Isar, ah, j'avais pas eu Sochat et Toker, merci pour votre follow du coup. Toker, thanks for the follow. Pile! Merci mon Dieu. Porte. Ah putain! Les QWERTY du jour, j'ai pas vu moi. Je me tâte à aller fermer la fenêtre parce que du coup ça va faire grave du bruit dehors. Oh, j'aime pas cet endroit. Oh non, je me souviens, j'aime pas cet endroit du tout, du tout, du tout, du tout. Généralement, je meurs ici d'ailleurs. Mon Dieu, je déteste. Pour tapage nocturne. Il y a tapage diurne en plus, je crois. Ça existe. Il sait, c'est une belle. Une pile. Yes. Depuis un an ou deux, il y a des pêches dures. Putain, il est de l'autre côté. J'aime pas cet endroit, putain, j'aime pas cet endroit. Cet endroit, je déteste cet endroit. Il est là. Il est ici. Yes, I'm going to play whistleblower. I think in live before Sunday. Ouais, normalement, avant samedi, avant dimanche, si je peux.
Il est là, je l'entends. J'entends les chaînes. Il est tout prêt ? Salut, Devinaz ! Oh mon Dieu ! Il n'y a plus de bruit ! Pile ! Prends la pile ! Prends la pile ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Je vais mourir. Je crois qu'il m'a arraché le cœur. C'est la tête. Ah bah oui, sinon c'est un arracheur de tête. Mon Dieu! Trouve le chemin, je t'en supplie, trouve le chemin! J'ai vu ses yeux. Oh mon Dieu, je ne trouve pas. Ah oui, oui. Je m'enferme dedans, moi, je me fais bien. Y'a pas de pile par là ?
Dieu! Mais va te faire enfiler! Ah! Putain, bâtard, casse-toi! Dégage, dégage, dégage! Putain, bug. Bug. Allez. Putain, mais casse-toi là. Vas-y, tu veux pas me tuer, là? Putain, on dirait Jimmy Neutron. Salut, Pikachu, say. Ah, je peux même plus me relever, maintenant. Quand est-ce que ça a sauvegardé? C'est ouais, moi aussi, c'est la première fois que j'ai un bug. Bugger le jeu, tout va bien. Oh putain, le con! Oh le con! Pile! 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 Putain, pile! Je sais pas si c'était le chemin. Pas ce hurlement absolument atroce. Les piles, c'est la vie dans le jeu. Évidemment que je me suis fait chier à la ramasser. Rejoignez le rez-de-chaussée de l'aile des hommes. Non, bah en fait, finalement, on passe pas du tout. Ah putain, non, pas ça. Ça y est, on commence à pousser les meubles, c'est la merde. On passe pas dans l'aile des femmes, en fait. Salut. Normalement, tu me parles, il me semble. Je suis en train de gâcher ma pile. Tout va bien.
Est-ce que c'est le docteur? Oh non, je sais ce que c'est. Ah, merde. Du RP fort. Qu'est-ce que c'est? Salut Gare AVF. Ah. Oui, roleplay, putain. Ok, on va faire connaissance avec le docteur. Il m'avait pas manqué. On a pitié pour cet endroit, je suis d'accord. Moi tranquille, putain. Ah! You slippery little whore. Oh, fuck! Putain, le mec est pétrifié. Je m'étonne. Oh non. Mon dieu, mais laissez-moi, putain. Oh, c'est fermé, mon dieu. Merde, là. Who's down there? Ah! You're not one of them, are you? Quick, get in the dumb waiter if you want to live. God damn it! Docteur.
You don't chase here, babe. Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old your martini lunch? Have a little confab, blah, blah. A martini. Failier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Il a l'air gentil, juste à la voix et à ce qu'il dit. Et là, je vais gentiment passer en face de la sortie, si je me souviens bien. La sortie est là. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Enfin, la sortie. Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Les tout nus se sont habillés. I'm putting that tongue to any use anyway. Le gros truc. Truth be told, I was just tired of looking at my own stairs. Here we are then. Lumière. Aziz, lumière. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. Il va pas lui faire du bien quand il s'assoit. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. It's understandable. People get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. There. Better now, right? Here's an OHEQ. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself! Salut, tonton. Les tontons. C'était si facile que ça, t'aurais pu te casser avant d'avoir deux doigts en main quand même. Vomi! Attention! Je sais que je peux enlever les commentaires, mais je vois pas pourquoi je le ferais, puisque en fait, je les lis. Je les lis. Beaucoup trop de love dans cette séquence. Just like him. Like
tu vois, lui, il a... Mara. Là, ça pourrait être une femme, hein, s'il avait pas une voix grave. Cette différence. Ils sont complètement... Si, si, s'il vous plaît, un doigt par main. I'm here for you. I'll give you very special attention. La langue. Mais il fait ça comme ça. Pas de soucis. Trigger, ce taré m'a coupé les doigts. Alors, il vient de se faire couper l'annulaire gauche, je crois, et l'index droit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une note. Non? Bref, il a torturé et mutilé des dizaines de patients. Je le vois en tuer un autre sans pouvoir intervenir. Il parle comme ces connards sortis d'une école de commerce. Il a probablement des clubs de golf dans le coffre de son Audi. Et le mec continue de faire de l'humour en plus. Tout va bien. Je suis prêt à parier les doigts qu'il me reste, qu'il faisait partie de la direction de Murkoff jusqu'à ce que le truc qui a infecté cet endroit le transforme. Je veux foutre le camp d'ici, je veux qu'on me rende mes doigts, je veux voir Trigger crever. Il a écrit avec son sang. Bon, l'autre. Fuck, really? You aren't gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's the queer! Come on! Je crois que c'était pour ma gueule, ça. C'est ce qui s'appelle avoir du sang-froid. All right. All right, you can figure this out. Let's solve some problems. Allez, ouvre-la-moi, cette porte. Je ne dois pas faire de blague. Il a pas ouvert la porte. Ah, je déteste ces bruits de ciseaux, putain. Il est pas sorti. Il est pas sorti, je l'ai pas vu sortir. Ouais, il est toujours là. Attention, ça va couper. Ah, attends, j'essaie de... S'il fait toujours le même truc. J'essaie de comprendre le trajet qu'il fait. Parce que s'il sort pas, ça veut dire que quand il vient à ma gauche, il faut que je sorte maintenant. Non, il est sorti, ça y est. Merci Samoine, merci d'être passé. Ciao. Ça marche, bah je dirai sur Twitter. J'aurais pas découvert. Salut le fût chapeau. S'il capte, ouais, je crois qu'il cherche où les lire. Par contre, il y avait l'ascenseur dans la pièce que je viens de monter. Il me semble qu'il faut que je prenne l'ascenseur, mais il me semble qu'il me faut quelque chose pour le prendre.
Ça fait beaucoup de « il me semble » et très peu de « je sais que ». Je vais aller vérifier. Cet ascenseur nécessite une clé. Merci, merci puis Mickey PR pour ton follow. En beauté. Salut Zirkov. Zirkoz. Putain. Il est à gauche. Je vais attendre de le voir repasser. J'aime pas ce moment, ça prend des plombes à s'en sortir. Ok. Passer à gauche.
Mais tellement vrai, Mara. Surtout que des trucs qui peuvent faire office d'armes, il y en a 30 000 ici, quoi. Let's teach you the seven habits. Ouais, faut y aller, YOLO. De toute façon, tu crèves. Donc, c'est que lui, il te one-shot presque. Une porte là-bas. J'ai cette porte. Je sais plus si la clé est sur un mec. Je sais plus où est la clé. Bon, au moins, quand il est en train de me poursuivre, je sais où il est. Oh merde, c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Non, il one-shot pas, mais il meurt du coup. Ah, il y avait deux portes, mon dieu. Merde, c'est un cul-de-sac aussi. Oh, pas deux coups du coup. J'étais allée là. Je suis pas allée ici. C'est fermé. Je vais me prendre un dernier coup. Je suis morte. Non, pas encore. Pas encore. C'est un cul-de-sac. C'est foutu. Ah. Oh. Mec. C'est pas un bon endroit pour se cacher, ça. Merde. 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 Cours. Ferme cette porte. Y a pas. Merde. Celle-là alors. Bordel. Merde, c'est un cul-de-sac. Non, saute, putain! Je suis passée! Ouais, j'ai vu qu'il fallait que je dégage une porte. C'est reparti. Merde, c'est pas par là, putain. Merde, c'est encore les toilettes. Fais chier! Putain, de labyrinthe de mini. Il a déjà défoncé toutes les portes ici. Ahead,
Ah, mon Dieu. C'est tout droit? Ou ça? Je vais reprendre de la vie et on va réessayer. Vas-y, mets un coup, je t'emmerde. Ah putain, le bâtard, il s'est mis devant, quoi. C'est ici qu'il faut que je... Essaye, essaye encore. Allez, suis-moi. Ok. Ciseaux frais. Cette porte-là est ouverte. Maintenant, il faut que je refasse un tour. Dans quel sens il faudrait qu'il me poursuive pour que je le coince ? Oh merde! Je vais me prendre un coup! Il est là? Putain. Allez, c'est reparti pour un tour. Il n'y a plus de porte pour me coincer. Oh mon Dieu. Oui, c'est ce que j'essaye de faire, hein, en fait. Il faudrait que je le fasse passer là et qu'après... Oh, j'aurais dû sortir et fermer les portes. Viens là. Allez, tu me vois ?
pas pour arriver ici quand même. Sans déconner. Oui, je l'ai fini une fois, mais je ne me rappelle plus. Merde, putain, c'est pas vrai. Maintenant, la porte est ouverte. Le problème, c'est qu'une fois passé... J'ai pas lu la note qu'on a passée. Ceci est ma troisième demande de mutation en deux mois et de précédente étant restée sans réponse. Je ne veux plus travailler à maintenant si j'ai exercé le métier d'infirmier pendant toute ma vie professionnelle, mais je n'avais jamais eu à travailler dans de telles conditions de secret, de manque de respect. Je soupçonne même des abus vis-à-vis de certains patients. Deux de ceux que je suis ont été déplacés au sous-sol et n'en sont jamais revenus. Si je ne reçois pas de réponse à ce mail, je serai contrainte de démissionner et songerai à contacter la presse. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Le mec qui veut mourir, quoi. Le mec, il veut mourir. Il annonce, quoi. Tu vois qu'il se passe des choses, tu te casses et tu dis rien, quoi. Clé, putain, la clé. Oh mon dieu! Ah! C'est un cul-de-sac ici. Oh putain, je vais pas m'en sortir. Oh l'enculé! Par là. Par là. Non, non. Perds pas du temps comme ça, pitié. Ah ! Dis-moi que c'est par là, pitié. Dis-moi que c'est là. Alors là, c'est le moment qui m'a le plus énervé dans ce jeu. Et quand je dis le plus énervé, c'est très très énervé. C'est-à-dire que... du ciseau de malade. Qui pourrait nous permettre de nous défendre enfin. Eh ben non. On les prend pas. Pourtant... certes, on les voit pas, mais ils sont bien tombés dans l'ascenseur. Tout va bien, quoi. Salut, Nikos. Et la sortie, elle est juste là. Et j'aime pas la sortie. Note. Étape 1, précis. Recette du jus de Traeger. Le mec est plein d'humour alors que voilà quoi. Je ne sais plus comment on sort. Là. Le héros est con. Pas plus que ça. Le mec est plus occupé à écrire des notes toutes pourries qu'à essayer de se défendre quoi.
Une belle voix qui essaie de couper un truc avec ses demi. Ma dernière pile. Une pile, s'il vous plaît. Yes. Si j'ai une mèche qui commence à dire merde. Oh non, putain. Le gros. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Des grandes véhicules. Ouais, retrouver le père matin. Oh mon dieu, putain. C'est une session avec le gros et tout. Je commence à fatiguer en plus. Oh, l'odeur doit être géniale. Dans une forêt. Oh putain, ça fait tellement sombre. Re LJ. Trager. Je vous prie d'accepter la démission de l'infirmier David Annapurna avec effet immédiat et de le traiter en tant que patient. À Mount Massive, en vue de soigner son délire de la persécution, le traitement se poursuivra jusqu'à sa mort. Merci. Merci, vieux. Putain, mais quelle bande de connards. Point d'origine, de l'école, le manoir, la ville, les asiles, les maisons, les châteaux. Est-ce qu'on a eu un jeu d'horreur entièrement dans un parc d'attractions? Silent Hill 3? Mais pas entièrement, non, je me rappelle plus. Je ne me souviens plus. J'ai pas envie d'y aller, je sais très bien ce qui va se passer. Parc. Hein? Pas vu, pas connu. Bonne soirée, Fredor Peanut, merci beaucoup. Mais je commence à. Ah, dans un zoo, ça serait grave cool. Je commence à fatiguer un peu, moi. Parc d'attraction, c'est tout ce que depuis. Ça fait flipper. Grave. Les clones. 4 piles. Ah putain, c'est vrai, c'est la salle en feu. Oui, dans Parasite à vie, un petit passage dans un zoo, effectivement. I'll bleed sur Dreamcast, je ne connais pas.
parle encore mieux qu'au début. Alors, tant mieux, mais c'est ça en fait. C'est... Elle est parlée. Salut, super canard. C'est complètement par détention. Une pause, mais j'en ai fait une en fait. J'en ai fait une il y a une heure et quelques. Fait une pause de 5 minutes. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Dans tout le jeu, il me semble que c'est ce mec-là qui a l'air le plus normal. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. Autant physiquement parce qu'il a une peur normale. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Non, je peux essayer, j'aimerais bien, mais je l'ai pas. Ouais, en point and click, mais c'est pas trop mon truc. Déjà, mon FPS, c'est pas trop mon truc pour le coup. Je l'ai fait pour Outlast et je l'ai fait pour les magnifiques plus beaux teasers de feu Silent Hills. J'aimerais beaucoup jouer à ce moment. Je pense qu'il y a de quoi choper des clés pas loin. Salut Fabien. Je l'ai fait. Alien, enfin je l'ai fait. Non, le stream est en cours, si je puis dire, on l'a pas encore fini. Il va falloir qu'on continue aussi, mais la dernière fois que j'avais repris, c'est quand j'avais mes problèmes de cœur. Et c'était dans le nid de l'alien, et j'avais un peu pété un plomb dessus, donc on avait fait une pause. Il a foutu le feu au seul endroit qui me disent, enfin qui me donnait un peu envie. Ça y est, je crois qu'on est à l'endroit où il y a le gros, parce que généralement quand il y a ce genre de choses là, c'est ce que je reproche un peu à Outlast aussi, c'est que dans l'idée c'est vachement répétitif et surtout prévisible. C'est-à-dire que quand tu vois certains éléments de jeu, tu te dis ah ben là je vais me faire poursuivre. T'es même capable de dire ah ben là ça sera le gros Chris Walker, ce genre de choses en fait. Dès que tu vois que t'arrives dans un endroit et qu'il y a des casiers, des lits ou des pièces vides avec des cachettes, des machins et tout, tu sais qu'il va y avoir une poursuite. Donc tu sais que tu ouvres telle porte, machin et tout. Et dès que tu vois des trucs comme ça, généralement c'est parce que va y avoir une session avec Chris Walker. C'est presque toujours le cas. J'en suis, alors si je me souviens bien, sans spoiler quiconque dans le chat, si là je suis, attendez je coupe hein, le temps de parler, attendez je viens de capter le truc du rec et j'étais en train de me demander c'était quoi le temps qui passait, il te met 2h10, 2h06. J'étais en train de me demander si à chaque fois que tu relançais, c'était... Ouais, ouais, je sais, hein, mais je dis non, mais si je devais faire une critique, ce serait celle-là. Voilà, tout simplement. Et du coup, je sais plus ce que je disais à la fin. Ah oui, où je suis dans le jeu. Normalement, pour faire court, après, il y avoir une session de... Je dirais qu'il reste... deux grosses sessions d'environ quand tu bouges un peu les fesses d'environ une heure chacune. Trois heures, je pense qu'il reste trois heures. Alors, sachant que je pense que finalement on fera pas tout aujourd'hui, mais on finira de sûr Outlast. Premier du nom avant dimanche. Et si on le finit d'ici là et que je débloque du temps par-ci, par-là, on fera Whistleblower. Sachant que Whistleblower, je ne sais pas...
Je ne sais pas trop ce qu'il représente en temps. J'imagine qu'il n'est pas du, enfin, qu'il est pas aussi long qu'Outlast, peut-être la moitié, ou je ne sais pas. Je ne sais pas qui a fait Whistleblower dans le chat. Mais voilà, si on finira de toute façon Outlast avant dimanche, et si on finit ça plus vite, on fera Whistleblower avant dimanche aussi, si je débloque du temps. Salut Arcamazium et merci pour ton follow. Si vous voyez des choses, dites-le. Le syndrome de stress proximité n'a rien de honteux. Parlez-en à votre superviseur afin d'obtenir l'aide d'un conseiller en réussite. Markov. Moitié moins long. Ok. Sachant que je pense que je vais pas tarder à vous laisser parce que je me prends un coup de barre monumental dans la tronche. Et j'ai pas mal de choses à régler encore. Quelle heure il est? Ah, il est 18h19. Je vais pas régler grand-chose, moi. Mais je pense qu'on va même se quitter ici avant que la session avec le gros commence. Débloquer du temps pour Caro. Exactement. Et puis en plus, je suis en train de tourner en rond. Tout va bien. Tu fais trois fois la durée vidéo. Ouais, donc je propose qu'on se laisse ici. Ça fait quand même un peu plus de 3h, 3h30 quasiment de live. C'était pas mal. Je dirais qu'on est à la... On est à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié. Et on va continuer ça demain. Demain, on est quoi? On est jeudi? Demain, je pense. Donc, comme d'habitude, Konami Code. Comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez retrouver tous les liens. Alors, attendez. Merci Marwan pour ton follow. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens en bas du stream, hein. Vous avez tout, vous avez évidemment les règles du chat, ce qui serait pas mal de les lire, mais vous êtes plutôt sage, donc ça va. Plusieurs liens sur lesquels vous pouvez me trouver, mon blog, Twitter, etc. Tout ce qui concerne les donations, mes amis sur Twitch aussi, parce que j'ai des amis super qui streament sur Twitch. Et du coup, je vous tiendrai au courant sur Twitter, comme d'habitude, pour savoir quand est-ce qu'on fait la suite du stream. Et je pense vous prévenir relativement tôt. Donc je vous remercie tous ceux qui étaient là aujourd'hui, qui sont restés du début à la fin, ou même qui sont passés faire un coucou. Ils le verront sur le replay s'ils regardent. Je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Des bisous.